Good morning, La France. This is Commander News on Europe 1. Commander News qui ce matin fait tourner les serviettes, les fourchettes et tout le service à mémé. Il vient nous parler de son prochain livre et nous donner le programme de ses années bonheur. Diffusé demain soir sur France 2, c'est l'amuseur préféré des Français depuis 40 ans. Qui a fait l'effort de venir tôt le matin. Bien sûr, oh bah là il n'est pas couché à cette heure-ci. L'incontournable Patrick Sébastien. Oh, fou, 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 on s'en fout, fou, fou. Le duo et les jaloux, veulent penser de nous. Oh putain, salut ma Juju. Hey, on repart à la radio de Coluche, la pète un peu dans ton string, là, faut se détendre, on se croirait au Père Lachaise un 1er novembre. Ça va, votre mère, t'as fait ton papier, t'es en week-end, fais péter un bouton, quoi, putain. L'autre, on dirait qu'elle va se faire baptiser, l'Alsacienne. Hey, Julie, comment il s'appelle l'invité à Cohen à 8h20? Bah, c'est Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Attends, j'ai une bonne. S'il m'écoute dans la bagnole, hey mec, elle est pour toi. Hey, Olivier Faure, c'est quoi, mec, tout seul dans une cabine téléphonique? Un congrès du PS. Oh là là, j'adore cette vanne. Ça va fort. Mais bon, allez, Patrick, vous souhaitiez nous parler de votre prochain livre. Ouais, là, ça va fort, bravo Patrick. Arrêtez, non, on arrête la déconne là, les mecs, putain. Vas-y, Cohen, remonte ton frog, c'est filmé, putain. Mon prochain livre est autobiographique. Il s'appelle Le jour où on a appris que Tata avait une paire de pruneaux. Oh non, arrête Patrick. Ouais. C'est un livre hyper profond sur la pudeur. Moi je suis pudique. Des fois tu peux être à poil, Julie, à rien montrer, c'est ça qui est fort. Vous nous donnez le sommaire des années bonheur de demain, Patrick? Non, ça fait chier la promo. Moi je suis un indocile, moi. Je suis un révolté du Bounty. Mais demain dans mon émission, j'accueillerai Rock Voisine, à qui on a fait la tronche de chef mamie. Oula. Il nous chante les démons de minuit en arabe, on l'a fait en répète, on était sur le cul. Il y aura Denis Fabre, qu'on a foutu dans une roue de hamster, et qui nous chante les Scooby-Doo de Sacha Distel avec des fraises tagana dans la bouche. On l'a fait en répète, on était sur le cul. Et enfin, tu sais, Juju, que j'adore m'amuser avec les politiques, il y aura Jean-Pierre Raffarin, qui nous chante Banana Split avec la culotte de Lio sur la gueule, on l'a fait en répète. On était sur le cul. Comment tu sais, putain? À demain. Jérôme Commandeur, passez un bon week-end, Jérôme. Europe.